Bonjour, bienvenue au cirque Sébastien Zavatta. Le cirque Sébastien Zavatta tourne dans toute la France depuis 7 générations. Sébastien Zavatta est le petit-fils d'Achille Zavatta, le célèbre clown. La direction du cirque est la famille Douché, le directeur est Monsieur James Douché. Le cirque est composé à peu près, donc le cirque Sébastien Zavatta fait partie de ces cirques de tradition qui respectent encore la tradition courageusement. Avec donc le cirque Sébastien Zavatta, c'est un chapiteau itinérant de 800 places, des lumières modernes comme on pourrait trouver dans un concert, des jeux de fumée, un accueil à la pointe de ce qui peut se faire pour accueillir le public, des chaises confortables, des gradins de plus en plus modernes. C'est 8 semi-remorques qui transportent tout ce village itinérant de ville en ville. Vous avez donc le cirque Sébastien Zavatta, c'est un mélange de cultures, des artistes qui viennent de plusieurs pays, des animaux, beaucoup d'animaux, et tout ça qui vit en parfaite harmonie. Et c'est ça la force du cirque, et c'est pour ça que le cirque fait toutes les villes, les mêmes villes, souvent chaque année, et que le public revient. Vous avez par exemple, je peux vous présenter un peu le spectacle, vous avez une grande cavalerie composée de 5 chevaux espagnols. La caravane des animaux avec tous les animaux qu'on attend de voir, des chameaux, des watousis, des lamas, des ânes. Après, vous avez des numéros engagés comme un magnifique numéro de magie. Très rare dans un cirque en France, un numéro de bolas qui vient d'Argentine. Un numéro de contorsion, exceptionnel. Et bien sûr, les célèbres clowns, des nouveaux clowns, chaque année. Allez, moi je vais te mettre une réponse sur la boulotte de mon jour. Bravo. Sébastien Zavatta est très fier de présenter l'architecture du cirque, donc avec ses animaux, notamment un magnifique groupe de lions composé de 3 lionnes et de 2 tigresses de Sibérie. Je dis fier parce que c'est encore quelque chose de courageux de le faire. On sait pertinemment que les animaux ont leur place dans les cirques. Toutes les études vétérinaires à ce sujet ont prouvé que les animaux étaient épanouis bien dans les cirques. La plus grande étude qui a été faite a été financée par une association anti-cirque avec animaux en Angleterre, très célèbre, la RSPCA, qui a payé des spécialistes animaliers pour prouver que les animaux étaient malheureux dans les cirques. Manque de chance pour eux, cette étude a prouvé que les animaux avaient tout à fait leur place dans les cirques et que retirer les animaux dans les cirques serait d'une perversitude absolue. D'abord pour des animaux qui depuis 8-9 générations sont nés en captivité, qui n'ont plus rien à voir avec le milieu sauvage et qui sont très bien dans les cirques. Tous les indicateurs nous le prouvent, ils vivent beaucoup plus longtemps que dans la nature. Ils se reproduisent très bien et c'est des éléments objectifs. Quand vous allez vers des animaux dans la ménagerie, vers les chameaux, vers les lamas, ils viennent vers vous, ils demandent des caresses. Et ça prouve qu'ils sont bien au contact de l'homme et qu'ils réclament le contact avec l'homme. Il suffit de voir, ils ont un poil brillant, le regard vif, les chameaux ont des bosses droites, tout ça c'est des choses qui ne trompent pas et qui nous prouvent encore une fois que les animaux sont bien.
C'est aussi bon, le métier de dresseur, c'est l'une des professions les plus réglementées et encadrées. Vous avez l'arrêté du 18 mars 2011 qui garantit le bien-être des animaux dans les cirques, que ce soit pour les conditions d'hébergement, pour les conditions de transport, pour les conditions d'éducation. Vous avez le dresseur du cirque, M. Olivier Doucher, qui est titulaire de ce certificat de capacité. Et après, vous avez tous les animaliers qui ne s'occupent que des animaux et qui sont là jour et nuit pour veiller à leur bien-être. Donc on sait que les animaux sont bien, le public vient au cirque pour voir les animaux, c'est ça qui nous réconforte. Et pour l'instant, on sait que le public vient, que les animaux sont bien, et objectivement, il n'y a absolument aucune raison d'arrêter ce patrimoine. Merci public. Alors j'ai une petite question. Est-ce que ce spectacle vous a plu? Oui. De la piste, nous n'avons rien entendu. Est-ce que ce spectacle vous a plu? Oui. Il semble que oui, disons-nous tout simplement. À l'année prochaine. Merci. Bonsoir.